et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres à développer. Le brevet d'études de premier cycle en session de juin 2017 affiche un taux de réussite de 50,56% au plan national. La proclamation des résultats est prévue pour demain lundi 3 juillet 2017. Révérend docteur Amos Kwangyasu Rungsa, c'est le nom du nouveau président de l'église protestante méthodiste. Il a été élu la nuit dernière au cours du synode de réconciliation et de réunification à Cotonou. C'est parti pour Acapella saison 5. Le top a été donné ce samedi dans les locaux de l'ERTB. C'est pas la fin de présélection des candidats. Des explications dans ce 13h. À nouveau, bonjour. Commençons par cette audience à la Cour constitutionnelle. Le président de l'institution a reçu plusieurs personnalités à son cabinet ce vendredi, entre autres le groupe des jeunes leaders du Bénin de la Fondation Freddy Chebet. Le point des audiences avec Blaise Adankbo, Igor Ayosso. Les jeunes leaders du Bénin, promotion 2017 de la Fondation Friedrich Ebert, au cabinet du professeur Théodore Olo. Ils ont échangé avec le président de la Cour constitutionnelle sur le rôle et le fonctionnement de l'institution pour le renforcement de la démocratie au Bénin. Je suis arrivé ce matin avec un groupe de jeunes leaders que nous formons. La Fondation a initié un programme de formation au leadership. Donc un groupe de 35 jeunes pour rencontrer le président de la Cour constitutionnelle, échanger avec le président pour que les jeunes appréhendent le rôle, le fonctionnement et la particularité de la Cour dans la défense des droits de l'homme et dans le maintien de tout ce qui est préservation de la démocratie au Bénin. Nous avons trouvé utile de passer d'institution en institution pour que les jeunes connaissent et comprennent et échangent avec les premiers responsables de chaque institution de la République pour qu'ils connaissent mieux l'articulation politique du pays et qu'ils découvrent davantage comment, en tant que leaders, ils peuvent aussi prendre de l'exemple, améliorer des choses, changer ou questionner certains organes de la République. Le président de la Cour constitutionnelle a également reçu deux autres personnalités. Il s'agit du directeur général de la SONACOP, Idrissou Biogounoussina, et de Dr Emmanuel Sédégan. Mais rien n'a filtré de leurs échanges. Le bureau national du parti Falafia s'est réuni à son siège ce samedi 1er juillet 2017. À l'occasion, les membres du dit bureau ont abordé les questions touchant à la vie interne du parti ainsi qu'à l'actualité nationale. Le bureau a rendu public un communiqué de presse. Suivez la quintessence de leur déclaration avec Eugène de Soumon, secrétaire général adjoint du parti et porte-parole de Falafia. S'agissant de la vie interne du parti, le bureau exécutif national a donné des directives au secrétariat permanent pour des mesures à prendre en vue de la redynamisation des structures de base du parti. Le bureau exécutif national a salué la clairvoyance des choix politiques mis en œuvre par le président Boni Yayi et ses différents gouvernements en vue d'un développement harmonieux de notre pays. Le bureau exécutif national saisit cette opportunité pour remercier tous ses militants et sympathisants pour avoir, au prix de lourds sacrifices, accompagné le régime du président Boni Yayi pour la réalisation de ses objectifs durant ces deux mandats. Le bureau exécutif national souhaite un repos mérité au président Boni Yayi. Contre toute attente, le Falafia constate et déplore la redéfinition d'un nouvel objet des SCBE sans la consultation du cadre de concertation des chefs de parti dont il est membre. Il a été noté l'adhésion des SCBE à l'Alliance des forces de sursaut patriotique et ses prises de position contraires aux valeurs de préservation de la démocratie, de la cohésion nationale, de l'image de notre pays comme l'a toujours prôné le président Boni Yayi et les textes fondateurs de notre parti. Pour toutes ces raisons, afin d'éviter les errements de nos militants,
le Bureau exécutif national, conformément aux prérogatives que lui confèrent les statuts et le règlement intérieur du parti, a décidé de suspendre la participation du Phare Alafia aux activités de l'Alliance FCBE à compter de ce jour, samedi 1er juillet 2017. Le Bureau exécutif national invite les militants à rester mobilisés autour des valeurs de notre parti en vue des victoires plus grandes. Par ailleurs, le Bureau exécutif national encourage le gouvernement du président Patrice Talon à poursuivre ses efforts en vue de la réalisation de son programme d'action en faveur du peuple éliminé. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2017 seront bientôt fixés sur leur sort. Le directeur des examens concours a procédé à la traditionnelle délibération l'après-midi de ce samedi. Il ressort que 50,56% de taux de réussite sur le plan national, Cécile Houndé et Edmond Houngbo étaient aussi sur les lieux. Ils étaient au total 219 519 candidats à affronter les différentes épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle lancé le 12 juin dernier. À l'arrivée, 110 983 sont admissibles. Le département du littoral vient en tête avec 13 242 admissibles, soit 59,57% des candidats. La Donga occupe la dernière place avec 2680 admissibles, soit 38,65%. Dans le rang des candidats malvoyants et amblyopes, le taux d'admissibilité est de 42,86% et pour les sourds-muets, 81,25%. La session de remplacement a connu 38,30% de candidats admissibles. Cette année, le ministère de l'Enseignement secondaire a mis en place un site Internet en vue de faciliter l'accès aux résultats. L'adresse électronique www.enseignementsecondaire.org. Il suffira aux candidats d'interroger le site à partir de leur numéro d'inscription, leur centre d'examen, leur établissement ou encore leur nom et prénom. Le site sera ouvert à partir du lundi 3 juillet prochain. Date retenue pour la proclamation des résultats. L'église protestante méthodiste du Bénin a un nouveau président, il a nom révérend Dr Amos Okpongesu Onsa. Il a été élu ce vendredi 30 juin par le synode général de la réconciliation et de réunification. Le scrutin a eu lieu sur la paroisse Shalom de Gbeto à Cotonou. Près de Lokosu, Jérôme Humbor pour plus de précisions. Dans l'après-midi de ce vendredi, l'enceinte de la paroisse Shalom à Gbeto, Cotonou, a fait le plein. La session représentative du synode général de la réconciliation et de la réunification de l'église protestante méthodiste du Bénin doit procéder à l'élection du nouveau président de l'EPMB. Dans une salle non admise à nos caméras et micros, il y a 528 votants pour départager trois candidats. Les professeurs Omer Dagan, Amos Kondiesou Moussa et Marcelin Dossou. Après des heures de scrutin, le verdict tombe dans la soirée. Le candidat Moussa Kondiesou Amos est élu à la majorité absolue. L'heureux du jour, tout joyeux, place son mandat sous le signe de la grâce. Personne ne mérite rien dans la vie. C'est Dieu qui accorde les grâces. Je ne mérite pas, mais Dieu m'a accordé cette grâce, cette faveur. Donc je crois fermement, par la puissance du Saint-Esprit, par le truchement du Saint-Esprit, que le Seigneur lui-même m'accordera les grâces pour pouvoir conduire cette église durant ce mandat. Nous allons mener cette mission dans la collaboration pour permettre à tout le monde d'apporter leur savoir-faire, leur intelligence, pour qu'ensemble nous puissions bâtir, reconstruire notre église dans un nouveau départ. Cette issue favorable de la crise au sein de l'EPMB a été rendue possible grâce à l'implication personnelle du président Patrice Talon. C'est une joie de constater que nous sommes en train d'arriver au terme de la gestion transitoire de l'église
et ça fait une nouvelle ère qui commence aujourd'hui. Il est désormais le président de toute l'Église, élu partout le peuple de Dieu, notamment l'Église protestante méthodiste du Bénin. Les fidèles de l'Église, eux aussi, ont compris l'enjeu. C'est ce que le Seigneur lui l'a voulu. Et nous pensons que c'est ce qui est bien. Et notre prière, c'est que le Seigneur puisse l'aider à pouvoir accomplir cette tâche qui n'est pas du tout facile. Nous devons faire assez de sacrifices pour que cette lumière ne s'éteigne pas. Et pour que ce soleil continue de briller, afin que l'Évangile soit une réalité, soit une vie dans notre communauté et dans tout le Bénin. Oh, mes impressions sont bonnes. C'est-à-dire que je ne sais pas la joie qui m'anime. Je sais que le Seigneur qui a l'œuvre, qui l'accomplira tout. Et nous aurons maintenant la paix, la compréhension, l'amour en général. Je glorifie le nom du Seigneur parce que nous sommes sortis de 19 ans d'obscurité. Et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, que Dieu a utilisé comme son instrument pour la résolution de ce problème. Le culte de clôture de ce synode aura lieu ce dimanche. Mobilisation des ressources financières pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Quelle stratégie adoptée par l'Afrique pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national? C'était le thème de ce forum Afrique Carbone, devant prendre les dispositions pour que les pays africains accèdent au marché carbone. Après les recommandations, Ulves Balogun et Edmond Mbo reviennent sur la cérémonie de clôture. Les pays africains désormais unis pour faire face aux défis du changement climatique. Un signal fort durant 3 jours d'échanges pour internaliser les actions, développer des perspectives intéressantes pour renforcer les initiatives locales et renforcer les liens entre le secteur public et privé. Un engagement devant créer un cadre nécessaire pour une action collective. L'organisation de ce forum dans l'objectif central et de catalyser les actions collaboratives climatiques pour le développement durable en Afrique, dénote de l'importance que le secrétariat exécutif et les autres membres du cadre de partenariat de Nairobi attachent à la coopération dans la gestion des défis sur le carbone et sur le changement climatique. Cette rencontre de Cotonou constitue un signal fort de la conscience climatique des différents pays et en particulier et surtout des pays africains. Ce défi des changements climatiques représente une opportunité économique pour capitaliser les actions climatiques et encourager la croissance verte. Une opportunité à saisir. Ces 3 jours d'instants de discussion nous ont permis d'échanger sur les différents aspects de cette problématique et surtout de renforcer les connaissances des experts africains sur plusieurs points. Le forum a permis aux partenaires de l'Afrique de prendre connaissance des progrès sur le continent ainsi que des exigences du continent en matière climatique. Ce 9e forum Afrique Carbone aura été un rendez-vous de fructueux échanges pour investir dans des solutions environnementales novatrices pour permettre aux pays africains d'accéder au marché carbone. Comment faciliter la circulation des usagers au niveau du fleuve Okpara en période crue? La question préoccupe le gouvernement. Il a initié un projet d'aménagement du fleuve Okpara. Nestor Sella nous dit dans ce reportage que les travaux de protection de la digue et du déversoir ont démarré. Le projet d'aménagement de la digue d'Okpara se concrétise. Le génie militaire met son expertise au profit de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb. Le gouvernement ne souhaite plus enregistrer des morts sur cette route lors des prochaines crues. Nous allons sauvegarder le déversoir latéral du projet et en réalisant une chaussée en béton armé de 120 mètres de longueur et de 12 mètres de largeur. Cette chaussée va permettre à la population de passer librement, sans incident, lors de la prochaine crue. Nous avons aussi bien le trafic léger comme le trafic lourd. Par rapport à ça, on a fait une conception avec des HA16. Donc c'est une chaussée qui va tenir dans le temps.
Réaliser une chaussée respectant les normes, c'est le souci du génie militaire. C'est pourquoi d'autres travaux se réalisent autour du projet. L'ennemi principal de la chaussée, c'est l'eau, que nous disons habituellement. Donc, le déversoir, il y a des talus. Quand il pleut, l'eau qui coule par les talus porte une érosion. Si nous ne protégeons pas les talus, l'érosion va tout emporter. Et là, on le fait par les pierres maçonnées. Donc, c'est des moellons que nous posons avec l'esthétique de l'art qu'il faut. Et on fait une jonction avec du béton. Et là, dès qu'il va y avoir de la pluie, ça n'emporte plus la terre qui constitue le talus. En ayant soin de laisser des passages de l'eau aménagés pour que l'eau puisse réellement venir dans le déversoir. Le génie militaire sonne la fin du calvaire des usagers dès la fin des travaux. Capitaine Inoussa Binoui et son équipe promettent de livrer le chantier d'ici une semaine. L'atelier d'élaboration du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies pour le Bénin a pris fin ce vendredi 30 juin à Grand Popo. Pour les organisateurs, les objectifs fixés sont atteints et le document élaboré est de bonne qualité, nous précise Ghislain Poguet. Cérémonie de clôture sobre pour l'atelier d'élaboration du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies pour le Bénin. À la tribune, le représentant du représentant de l'Organisation mondiale pour la santé apporte le soutien de son institution à ce projet de renforcement du système de surveillance élaboré. L'OMS a soutenu ce projet dès sa conception. Vous pouvez compter aussi sur l'OMS pour l'accompagnement dans sa phase de maturation. Le responsable au niveau national de la santé publique loue la qualité des travaux et fonde de grands espoirs sur ce projet. Vu la qualité des débats, je ne doute que notre projet sera retenu par la Banque mondiale. Les objectifs fixés pour cet atelier sont atteints. Selon le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies CNLSTP. Les objectifs attendus du présent atelier sont suffisamment atteints. La représentante du chef de l'État au sein du CNLSTP présente aux acteurs et aux participants les gratitudes de Patrice Talon et promet une bonne prise en compte des résultats issus de l'atelier. Permettez-moi donc d'exprimer la gratitude de Son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du CNLSTP et de son gouvernement aux organisateurs du présent atelier. Les élus locaux à ce projet manifestent déjà leur adhésion. Je prends l'engagement au nom des élus que nous ferons un travail pour sensibiliser tous les élus du Bénin pour adhérer à ce projet pour le bonheur de nous-mêmes et de nos populations. À terme, le document sera soumis à l'Assemblée nationale pour accord de ratification. Remise de prix aux lauréats du concours de production médiatique sur le financement basé sur les résultats. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée ce vendredi à l'hôtel Azalaï de Cotonou, sous le regard bien sûr d'autres professionnels des médias venus soutenir leurs collègues. Suivons plutôt. Ils sont au total 16 professionnels des médias, toutes catégories confondues, à avoir compétit au FBR. Entendez, financement basé sur les résultats. Ce concours a permis d'enregistrer des œuvres qui montrent l'importance de ce projet dans le domaine sanitaire béninois. Mais ils sont 7 professionnels, dont 3 de la presse écrite, 3 de la radio et 1 de la télévision, à avoir séduit les membres de jury de par la qualité de leur production. Dès l'évaluation des productions, il a été constaté une impréparation et un manque de structuration des productions, ce qui a conduit à la non-diversification des sources de plusieurs productions. L'effort d'investigation a manqué à l'appel et les différentes productions auraient pu être mieux élaborées au regard de certaines informations disponibles. Le projet FBR a été lancé au Bénin depuis septembre 2014. Il a pour objectif de renforcer le système de santé afin d'atteindre à long terme la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Ce programme a surtout permis de mettre à niveau tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du FBR, d'amener les décideurs à faciliter la mise en œuvre du FBR, de rendre visibles les actions et réalisations du FBR et
de promouvoir les bonnes pratiques. Je voudrais solliciter une fois encore votre disponibilité afin d'informer largement les populations de notre pays pour améliorer les conditions de vie. Au-delà des mérites, c'est un défi qui nous est encore lancé. Parce que là, maintenant, il faut toujours aller de l'avant. Il ne faudrait plus participer, revenir en arrière. Donc ce défi-là, je crois que nous allons le relever tout ce temps que nous sommes. Cette remise de l'eau aux professionnels des médias méritants met ainsi un terme au projet FBR mis en œuvre depuis 4 ans au Bénin. La formation des coiffeurs mixtes a pris fin ce jeudi. L'objectif est d'amener les coiffeurs et coiffeuses à se familiariser davantage avec les produits Misani de L'Oréal, une formation organisée par le groupe ADECO en collaboration avec les instituts de beauté Lorénor et Esnicia. Ilad Bokovo pour plus de précisions. Relever le niveau de ces artisans coiffeuses et coiffeurs tout en les familiarisant avec ces nouvelles gammes de produits que voici. C'est l'objectif du groupe ADECO, appuyé par l'Institut de beauté Lorénor et Ethnicia. L'initiative est instaurée pour faire bénéficier ces maîtres coiffeurs de nouvelles techniques de coupe et de défrisage. Pour les technologies nouvelles, il faut être à la pointe. Mais c'est des gens, si on ne les prend pas par corps de métier, ils ne pourront pas comprendre. D'abord, simplement, ce produit que nous avons mis en valeur depuis 2 jours, c'est un produit, ils entendent parler, mais ils n'ont jamais utilisé. Et c'est un produit qui coûte cher. Quand tu ne sais pas l'utiliser, tu vas gâter encore les cheveux des gens. Cette formation spécifique qui a réuni 250 patrons de coiffure a été sanctionnée par une attestation ici brandie par quelques récipiendaires tout heureux. Ces 2 jours de formation ont été très enrichissantes parce que les collaborateurs se sont montrés vraiment très ouverts d'esprit et ont beaucoup appris. La formation a été très bonne. On a reçu beaucoup de choses de plus que ce que nous connaissons. Le groupe ADECO n'est pas à sa première formation à l'endroit de ses artisans. Il entend les mettre au pas des nouvelles technologies et les outiller pour valoriser ses corps de métier au Bénin. Il est possible d'améliorer la santé, d'entretenir son corps aujourd'hui grâce au sport et à la nutrition. C'est l'objectif du groupe du sport Puy Fitness Club qui a démarré ses activités ce samedi. Blaise Anapo, Malini Chibozo, Edmond Hongo pour plus de précisions. Ce n'est pas une séance de chorégraphie, mais une séance sportive. Elle consiste à effectuer des exercices de gymnastique. L'initiative rassemble plusieurs femmes et est l'œuvre de Chimène Sosa. Elle vise une amélioration de la santé et de la beauté physique à travers sport et une bonne nutrition. Notre vision est simple. Créer de façon permanente un cadre panafricain de fitness convivial pour l'entretien du corps. Et pour cela, nous fixons comme objectif de permettre à tous de se sentir en pleine forme dans la peau en faisant du sport et en consommant bio et équilibré. Nous le savons tous, le sport renforce l'organisme, le sport prévient les maladies, le sport rend heureux, il rajeunit et il rend beau. Donc c'est tout naturel que nous soutenions cet événement avec elle. L'initiative est soutenue par le ministère des Sports qui promet faire don de matériel pour soutenir Puy Fitness Club. Et je voudrais assurer Madame Sosa de tout le soutien du ministre des Sports et de tous ses collaborateurs parce qu'il y a quelques mois, le 16 décembre dernier, nous avons lancé le programme d'action du gouvernement. Et dans le programme sectoriel sport, nous parlons bien évidemment de la promotion du sport pour tous. Parce qu'aujourd'hui, le sport pour tous, nous en avons tous besoin. Après la séance, l'on prend des jus de fruits pour reprendre de l'énergie. 1er juillet 2007, 1er juillet 2017, cela fait 10 ans qu'est né le Festico, le Festival international endogène de la région des Collines. Les préparatifs ont mené les organisateurs vers les acteurs culturels du Bénin profond afin de sensibiliser les différentes cibles sur la célébration prévue pour le mois d'octobre de cette année. Le point nous est fait ici par Patrice Diosso. Nous venons nous incliner aux pieds de Sa Majesté Sabine Ainapoua, empereur de Niki et de sa cour impériale.
des bénédictions royales pour relancer royalement un événement impérial qui rassemblait les artisans de la région des collines du Bénin, de même que les artistes musiciens de tous bords, comme ceux-ci qui prennent l'engagement de l'édition 2017. Tous les artistes qui sont dans les collines, selon là, nous allons soutenir l'événement. L'événement Festico, c'est 10 ans de parcours culturel et rituel, intellectuel et culturel, pour l'un des seuls festivals étudiés et financés en Conseil des ministres de 2007 à 2014. Le seul festival non étatique qui fait venir tous les collinois du Bénin, tant de la diaspora que de tous les coins du pays. Un festival qui tend à parcourir toute la région des collines, du centre au nord. Pour rappel, en 2007, Savalou, Glazoué et Tchaourou l'ont accueilli. En 2009, Natitengu et Djougou l'ont hébergé. En 2011, c'était Savé. En 2012, Savalou. En 2013, Tchaourou. Et en 2014, Dassa. Avant que la subvention, souvent décidée en Conseil des ministres, ne soit coupée par une autorité ministérielle. Juste diagnostic du passé. Comme statistique du présent, tout le Bénin profond est sillonné de fond en comble. Et le pronostic, c'est un festico, 10 ans de toute beauté, si le nouveau départ reprend en main ce joyau. En attendant, il ne baisse pas les bras, il sait que sa main sera à droite, le bien nommé Alognon. La directrice de la télévision nationale présente ici l'émission A Cappella. Dans cet entretien, Djemima Katraye revient sur les objectifs et généraux et spécifiques de ce projet qui vise à détecter les talents cachés en chaque Béninois au plan vocal et musical. Elle est au micro de Edmond Humbo et de Ousiane Amoussou. A Cappella est une émission qui nous amène à la découverte des nouveaux talents de la musique béninoise. Mais en réalité, il faut dire que ce sont toutes les personnes qui aspirent au métier du chant qui devraient participer à A Cappella. Peu importe le nombre d'années qu'ils ont déjà eu à faire, mais il s'agit de venir se confronter aux autres et surtout venir s'exprimer par le chant à la télévision nationale. Nous voulons porter les chanteurs béninois au-delà de nos frontières, au-delà des quatre murs, au-delà même de leur salle de bain, il faut le dire, pour certains qui n'osent pas aller affronter le public, afin que ces personnes-là soient révélées et surtout que nous ayons dans quelques années une bonne cuvée de chanteurs béninois. L'équipe de production de cette émission en est à sa 5e saison. C'est une équipe qui a déjà du métier, la machine est suffisamment huilée. Et puis, ils savent déjà à peu près ce qu'il faut faire, je dirais même plus, ils savent déjà ce qu'il faut faire avec précision pour réussir. Je crois qu'une, deux, trois, quatre saisons ont suffi pour tirer de grandes conclusions afin d'aller de l'avant. La 5e édition cette année est vraiment celle qui s'approche de plus en plus de la maturité. Nous essayons chaque année de tout faire pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour encourager ceux qui participent à cette édition-là de A Cappella. C'est d'ailleurs certainement ce qui explique que de plus en plus, il y a des candidats qui participent et nous-mêmes, de plus en plus, nous nous déplaçons vers les candidats qui sont à l'intérieur du pays. Dans les locaux de l'ERTB, cette émission est à sa 5e saison et la phase de présélection a débuté avec les candidats ce samedi 1er juillet 2017. C'était à l'ancienne maison de la radio nationale. Suivez le reportage de Patrick Joshua. De la basse au soprano, du baritone à l'alto, du ténor au stentor en passant par le contralto. Toutes les cordes vocales sont sollicitées à travers des chants qui relèvent de la discrétion des candidats. A Cappella, saison 5. On y est. Présent depuis 7h du matin. Ils sont plus de 300 candidats en lice pour la première phase de présélection dans le littoral. En phase de finale, l'année dernière, il y a quelqu'un qui a pris 1 million. Vraiment, ça m'a vraiment motivé. Nous sommes ici au lieu d'attente. Une attente détendue pour les uns, tendue pour les autres. On déguste ici des pommes. On s'offre là une partie de répétition avant son audition. En tout cas, l'on ne s'ennuie guère. Quand je suis devant ma télévision et puis je les vois en train de chanter moi aussi, je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance et puis faire comme eux. Non seulement pour gagner,
mais aussi tester ma voix. Juste pour voir son niveau et au niveau de la voix. Apprendre des autres et laisser les autres apprendre de moi aussi. On croise les doigts et même les orteils en attendant la délibération du jury pour que cette nouvelle saison de la belle aventure des décibels vocaux soit a cappella, le sacre de la voix. Tac. Nous dirons bonne chance à tous les candidats. Alors ce sera tout pour ce 13h. Merci de votre aimable attention et bon dimanche à vous tous.